Bonjour, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 20 ans, chaque nouveau colon sur Mars doit accepter de subir des modifications génétiques qui en font un transhumain capable de mieux résister aux conditions extrêmes qui règnent ici. Sauf exception, il est interdit par convention internationale d'envoyer un non-transhumain sur Mars. Il y a quelques heures, Toufik Amiami, notre enquêteur spatial, m'a envoyé le message suivant. Commandant Ewa, en tant qu'investigateur spatial accrédité de la base terrestre Gaïa, j'ai réussi à mettre au jour une tentative de fraude parmi les recrues des futurs colons martiens. L'un d'entre eux se faisait en effet passer avec habileté pour un transhumain, alors que ce n'était pas le cas. L'interrogatoire de ce fraudeur laisse penser qu'un des colons d'Arès-16 est aussi un fraudeur qui a réussi à passer au travers des mailles du filet. Trouvez-le et renvoyez-le sur Terre avec la prochaine navette. Mon équipe de recherche scientifique est à votre disposition pour aider vos biologistes. J'ai donc recherché ceux qui avaient des difficultés à s'adapter aux conditions martiennes. J'en ai trouvé trois: Jean-Grenage, Péridotite et Matt Whitney. Vous trouverez dans vos laboratoires et dans le centre médical des données biologiques et des échantillons tissulaires de ces trois suspects. Vous y trouverez aussi ceux de Bob Ewing, le seul non-transhumain de la base dont la présence a été autorisée exceptionnellement, ainsi que les miens. Cela vous servira de témoin. Demandez de l'aide à l'équipe de recherche scientifique de la base terrestre Gaïa. Vos messages envoyés sur Terre devront être précis et courts, moins de 140 caractères. Construisez un protocole et présentez-moi vos résultats. Nous devons trouver ce fraudeur et le renvoyer sur Terre. Ceci est un ordre pour mission.